Salut les fraudes! Ouais, l'équipe, du coup, les gars, vous avez voté, je vous avais fait voter entre plusieurs équipes. Je pouvais faire Milan, Paris et Barça, vu les joueurs qu'on avait. Vous avez voté Barça, prochain coup sera sûrement Milan, vu que vous avez voté en deux pour Milan. Petite équipe, sympathique. On a fait avec nos crédits, on a pris Xavi, bon, on n'a pas pris le Prime parce qu'en ce moment, les prix sont un peu bancals. Donc voilà, vu que c'est le temps d'un fut champs. On a pris Puyol aussi, qui va être associé à Piqué. Du coup, Piqué, ça va, il a un minimum de vitesse, mais Puyol, c'est lent, il va falloir que je fasse gaffe parce que bon. Mais sinon, l'équipe a l'air sympathique. On dirait pas le vrai Barça, là, la belle époque du Barça, les gars, en termes de jeu et tout, là, un peu, il y a des similitudes. Hein. Contre le mec, il y a. Sur sa défense, par contre, là, il n'y a pas trop de similitudes, par contre. Défense. Ah, Léo, magnifique, la passe de Xavi. Pouh! Le gars, comment il défend, mon vieux? Voilà, ça t'apprendra. Tu ne défends pas. Pleure, chouine, quitte. Rony. Bah, Rony! Le gout! Pour la passe de Xavi, je retire tout ce que j'ai dit. Celui-là, c'est le but que je viens de mettre. Il représente la quintessence et le beau jeu du Barça Prime d'il y a 10 piges. Pourquoi il s'appelle Real Madrid? Il a zéro joueur du Real, le mec. Enfin, ainsi, il y a équipe Puskas et Carlos. Je sais pas qui. C'est quoi cette équipe de fou? Je vais le fumer. Eto'o qui a connu les deux clubs comme un symbole. Putain, j'ai trop mal défendu, c'est de ma faute. Ça, c'est bien ressorti, ça. Oh là 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 là, tu vois, ça, c'est le football. Mais ici, il est vraiment fait pour être à droite dans cette équipe, j'ai l'impression qu'on y gagne. Ce qu'il n'y a pas sur FIFA, donc. Je vois pas comment tu peux faire en fait. Oh là là. Pouf. Oh, j'ai taclé pour anticiper ça, il a fait un tac bizarre. Ouais, non, c'est dur. Son but, y a rien à dire, il le joue bien, mais le tac, j'ai anticipé, ça aurait dû contrer le ballon, mais il a fait un tac dans un sens où j'ai rien compris, tu vois. Il peut marquer des buts. Hein. Mais le Eusebio, ouais, mais faut arrêter les vieux buts par contre. Quand je tac, ça prend pas la balle. Je prends 4 fois la balle, ça rentre dans le tas. C'est trop. Merci Eto'o. Au moins Eto'o, il croque pas trop. Bon, faut que je remette le but du break absolument. Ce que je vais me faire niquer, on connaît. Ça, c'est bien joué tout ça. Rony! Non. J'aime pas ces trucs-là, tu peux tellement rien faire. Puis en plus, tu te prends des vagues. Merci Pouyol. Oh. Maniqué, ouais, sur la fin de Rony. Après, c'est dur parce que là, c'est dégueulasse. Ouais, je Messi. C'est pour ça que Messi, j'aime bien sur le côté avec son agilité et tout. Il est tellement fort pour faire les petites diffs. Voilà. Ouais, les mecs ils défendent tellement pas que bah s'il y a un moment donné, il y a un laps de temps où le jeu les sauve pas deux fois, bah ils sont morts. Oh Rony. Ouais, logique. J'étais obligé d'être passif de toute façon avec mon défenseur parce que sinon ils allaient la passer à Mbappé, donc tranquille. Trop mal défendu. Je l'ai niqué sur le contrôle de Rony. Voilà, j'ai eu une occasion, fallait bien la jouer. Bon, les gars, on est en 6-0. Défensivement, pas fou. Enfin, la charnière, c'est un peu lent, vu que maintenant tout le monde a des joueurs rapides. C'était le seul petit bémol, donc il y a moyen qu'à des moments, ça se complique vraiment certains matchs si les mecs, ils sont full cancer à balancer devant. Oh, la passe de Jong. Ce qui est fort. Tu vois, Ney Crête, il résistait pas là.
Bon lolo. Vamos. Après, il a l'air de jouer au ballon. Hein. Mais tu vois, c'est le genre de match où il faut jouer sa vie. Il fait tous les petits trucs et tout, il connaît. Rien à dire, il m'a terminé. Un très bon joueur. Je crois qu'il est hors jeu, non? Non, il était pas hors jeu et ça rentre pas. J'avais bien joué, c'était ce qu'il fallait faire. Hein. Bien joué. Hein. Vraiment, il a pas volé sa victoire, tranquille. Ah ouais, là, le jeu, il est clairement sur mes côtes. Kanté, il peut faire 4 fois le tour de toi. Hein. 2 fois, je lui ai fait le zigzag, il était parti à l'opposé, mais ça change rien. Il est déjà là. Mais du coup, avec 72 de vitesse à ce stade de l'année, c'est dur. Surtout quand tu te tapes, tu vois, des joueurs comme ça en face. Je fais y tirer à droite. Bon, le mec, il est une équipe de porc, mais bon, comme prévu, c'était pas fou. Mais ce genre de match peut te faire niquer. Hein. Tu prends le premier, comme ça a été le cas. Derrière, il t'en remet un deuxième avec de la réussite et tu sais que tu vas être dans le dur, quoi. C'est là où tu vois, hein, le pay to win, oui, ça fonctionne, hein, mais à un certain degré, quoi. Si t'es pas bon, t'as beau avoir une équipe à 30 millions, ça changera pas grand-chose. S'il maîtrisait la méta, il serait casse-couille, même s'il est pas bon. Mais il maîtrisait ni la méta, ni il avait une vision de jeu de fou, il avait ni l'un ni l'autre. Pour vous, les gars. Pour vous, les gars. Maman ! Original. Faudrait que je vérifie ma tactique, je comprends pas pourquoi il recule autant. Ouah. Ouais, mais vas-y, faut arrêter les vieux buts pourris comme ça. Ouais, bien joué. Mérité. Merci. Tu vois, limite, elle est 3 fois plus dure que les autres que j'ai eu tout à l'heure et celle-là, elle rentre. J'ai bien contrôlé là. Tôt. Tu vois, ça c'est le foot. Ça c'est des beaux buts où je fais pas n'importe quoi au hasard. Ah, le mec, s'il le gagne pas le match, c'est une honte ce qu'il lui est donné ce match. Oh là là, c'est pas là que je la donne. Hein. On a du mérite sur ce match, hein. Parce que c'était vraiment le match douille par excellence. Hein. C'est 14, Bruce, non, 13, à partir de 13-1, t'as rang 5. Putain, ça a 2 ou 3ème énorme équipe que je joue ce week-end. Hein. J'avais déjà joué une équipe de fou, je crois. Oh, le ref. Vamos! Il s'est dit, lui, c'est un supporter du Barça, il a une équipe Barça, logo Barça. Tu vois, vu que lui, il a le logo, il s'est dit, oh, lui, c'est... C'est un fan inconditionnel du Barça, c'est un frérot, il m'a donné la win pour ça, 100%. Imaginez, j'avais l'écusson du Real, on aurait fait l'équipe à thème Real, 100%, il me donnait pas la win, il voulait me détruire. Mais putain, mais c'est quoi ces équipes? Ils ont tous R9, Eusebio, mais qu'est-ce que... Ah, Puyol face à R9. Putain, comment ça passe entre les deux, là? Bon, bah là, je suis mort, ça va trop vite. Oh, j'ai trop mal défendu, c'est de ma faute. Hein. Je défends comme une merde. Mais je suis tellement en panique avec mes joueurs, avec la vitesse de ces joueurs, que ça me fait déjouer, je défends différemment, et là, ça me fait faire de la merde plus qu'autre chose. Le problème, c'est comment ne pas prendre des buts. Je pense que je peux lui en mettre, mais comment ne pas en prendre beaucoup, quoi. Enfin, ça, c'est bien joué. Je lui ai fait un gauche-droite. Merci, Ronnie. De Jong! Putain, mais pourquoi c'est De Jong qui se retrouve là? Ah, mais Peno, après, c'est random. C'est avant que j'aurais dû le battre, il y avait moyen grave. Mais Peno, c'est random. Faut pas réfléchir. Ah. T'as des pénaux, t'as peur. Oh,
Quoi? Mais j'étais bien là, non? Oh, j'étais même pas vers le côté. Mais putain, je reste au milieu, il l'arrête avec ses jambes, mais j'en peux plus. Oh, c'est grave. J'étais bien revenu, hein, c'était une belle séance. À chaque fois, je revenais, je revenais. La pomme. Voilà, Pouyol, ça on aime ça. Merci Eto, au moins faut la mettre direct. Les mecs ils suivent même pas défensivement, vous avez vu? Dès qu'il faut appeler les joueurs eux-mêmes, ils sont du père, les mecs ils savent pas appeler les joueurs. T'as Xavi qui m'a fait plaisir sur une passe. J'ai même pas osé la tenter au début. Je me suis dit, il va la foirer. Là, il a fait une vraie passe, tu vois. Vamos! Franchement, on n'aurait pu faire qu'une défaite. Hein. Parce que celle au péno, on doit gagner. Et l'autre encore, tranquille, tu vois. Il n'avait pas volé sa victoire, donc... Ter Stegen, éclaté. Piqué, ça passe encore. Mais 80 de vitesse, ça suffit plus dans le jeu. Parce que tu joues que contre des Totti, des icônes et tout. Donc, c'est chaud. C'est la limite. Ça, tu peux, mais c'est la limite, en fait. Mais il est, en soi, il n'est pas mauvais. Puyol, comme prévu dans les duels, est bon, mais c'est un des pires décès du jeu parce que tout joue en profondeur maintenant et les mecs qui forcent dessus, bah, ils ont juste à balancer devant et t'es en galère. Après, dans les duels, dans la surface, il est bon. Semedo, c'est un des meilleurs à droite avec lesquels j'ai joué cette année. Très très bon, Semedo. Alba est pas mauvais, mais défensivement, je trouve ses limites, hein, putain. Enfin, il fait flipper un peu dans les duels. De Jong, c'est encore un tueur, un des meilleurs milieux du jeu, ça, y a pas de souci. Xavi. Je comprends pas ce que je l'avais testé une fois, je crois, en début de saison. Je l'ai trouvé pas mal. En passe, je l'ai trouvé éclaté. Le mec, il a 94-92. J'ai trouvé ses passes ultra bancales. Après, à la récup, des fois, il gratte les ballons. Il a de l'agilité sur sa kiffant, mais les passes, j'ai pas compris. C'est le monde à l'envers, mais tranquille. Bon, Neymar, ça bouge pas, mais si ça bouge pas, vous connaissez. Rony, vous connaissez. En fait, Eto'o, c'est kiffant parce que c'est Eto'o. Il est pas mauvais, tranquille. Il est vraiment jouable. À ce stade de l'année, il y a meilleur. Après, je vais pas mentir, en fait, ce qui me fait mal, c'est que je compare à des joueurs. David Totti, il vaut 20K ou 30K. Il est meilleur qu'Eto'o. C'est mon ressenti. Hein. Ok, c'est moins kiffant de jouer avec David qu'Eto'o pour ce que ça représente. Mais in-game, David, il bouffe Eto'o pour moi. Sans souci. Donc voilà, il est pas mal, mais c'est vrai qu'il y a par moments, il est un peu lourd. Voilà. Prochaine équipe, Milan, les gars. On va souffrir plus. Hein. Parce que l'équipe, encore là, offensivement, on avait. En vrai, l'équipe de Milan, je pense défensivement, on sera mieux. Offensivement, ça va être chaud par contre.